Bonjour, bienvenue à l'atelier Rodenpod. Aujourd'hui, je vous parle entretien remorque. Premier point de contrôle, les roulements. Nous vérifions notamment le niveau et la texture de l'huile des roulements. Deuxième point de contrôle, le système de freinage. Nous vérifions l'ensemble du dispositif dans chacune de ses composantes et si besoin, nous ajustons les réglages. Troisième point de contrôle, la boulonnerie. Nous vérifions individuellement le serrage de chaque écrou et de chaque goujon de roue à la clé dynamométrique. Quatrième point de contrôle, les pneumatiques. Nous vérifions là l'état du pneumatique en lui-même, son usure, asymétrique ou non, mais aussi la pression des pneus. Gardez en mémoire que chaque taille de remorque est livrée avec une dimension de roue spécifique. Pour chacune d'elles correspond une pression de gonflage. Pour les grands déplacements, pensez à rajouter 0,2 bar. Cinquième point de contrôle, l'éclairage. Nous vérifions individuellement chaque feu LED immergeable Sunway. Sixième point de contrôle, l'égraissage. Nous utilisons la graisse marine de 4C pour remplacer la graisse usagée du choc absorbeur en utilisant les deux points de graissage prévus sur la remorque. Et aussi, à partir du modèle de remorque D1611, nous remplaçons la graisse de la roue jockey. Les remorques Sunway doivent faire l'objet d'un entretien tous les 5000 km ou à minima une fois par an pour ceux qui roulent un peu moins. Seuls les roulements sont prévus en remplacement au bout de 4 ans ou 40 000 km. En conclusion, je vous rappellerai, pour rouler en toute sécurité, ne négligez jamais l'entretien de votre remorque.